grosses têtes, je pense que celui qui s'aime le plus, c'est Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il se la pète? Mais depuis toujours, il se la pète. Hein? Pardon? Tu vas exploser un jour. Non, avant, on était moins vulgaire. On disait pas il se la pète. On disait il croit en lui-même, il est prétentieux. Mais il se la pète. Mais où as-tu appris? Moi qui t'ai tout appris. Comment j'ai pu t'apprendre à dire « il se la pète » Parce que je t'ai entendu. On disait moi, aussi à propos de toi « il se prend pas pour de la merde ». Oui, pour le quart d'une merde. Il y a un type que tu connaissais qui disait « il se prend pas pour la moitié d'une boîte d'allumettes ». Tu te rappelles de celui-là? C'était Jean Daniel. Ouais. Oui, oui. Et les jeunes d'aujourd'hui disent « il se la bénichou », tout simplement. Ah, c'est vrai que ça marche, ça. Ah oui, il se la bénichou. Il se la bénichou. Oh, la bénichou. Caroline Diamant, je me suis un peu moqué de vous, parce que c'est vrai qu'hier, vous utilisiez dans l'émission les termes « gauche et droite » au lieu de Est et Ouest. C'était pour vous, simplifier la vie à vous. On a reçu beaucoup de courriers, de dire vraiment, alors qu'est-ce qu'elle est nulle, elle sait même pas ce que c'est qu'une... Elle pensait que les fraises tombaient des arbres. Oui, c'est ça. Eh bien écoutez, ma définition de la façon dont poussent les fraises a beaucoup plu à mes followers. C'est le principal. Mes followers. Apprends à dire maman avant de parler l'anglais. Et vous, Isabelle Mergault, comment allez-vous? On ne vous entend pas. Elle a une petite mine. Oui. Eh ben, je ne voulais pas chevaucher. Alors, écoutez, je vais fort bien. Vous avez devant vous une future pilote. Ah bon, que se passe-t-il? De quoi? Eh bien, d'avion. Ah oui? Ouais, je prends des cours de pilotage. Tu déconnes? Merde. Hein? Pour une compagnie allemande? Non. Faudra qu'elle apprenne à faire pipi, ça. Donc, sérieux? Oui. Je suis dans un club qui s'appelle Forever et c'est vachement bien. Comment que je te tire sur le manche, que je te le repousse, que je vais à gauche, à droite. Non, mais c'est mais super. Folle. Pourquoi d'un seul coup, vous voulez piloter des avions? Parce que si en tant qu'actrice, ça marche plus, au moins je pourrais être pilote. Ah oui, mais voilà. Même si ça marchait, tu pourras jamais te payer un avion, alors c'est pas la peine. Mais est-ce que tu arrives au moins à dire décollage et atterrissage correctement? C'est ça, les annonces dans l'avion. Je vous ai dit tango Charlie.